Salut à tous, aujourd'hui je suis dans le Jura, aux Cascades du Hérisson, un des sites les plus connus du coin, très connu aussi en France pour cette balade de 3 heures où vous allez avoir 7 principales cascades. Alors là je me trouve au Saut Girard, le Saut Girard c'est la première quand on suit le cours d'eau du Hérisson. Le Hérisson prend sa source dans le lac de Bonlieu qui est un petit peu en amont et après il va couler dans différents lacs, dans deux lacs puis terminer dans la rivière de l'Ain. En fait, tout commence en 1170 quand Thibert de Montmoreau reçoit une partie des biens du prieuré d'Ilet. Alors Ilet, c'est le village qui est juste à côté, pour fonder la chartreuse Notre-Dame de Bonlieu. Alors Bonlieu, c'est aussi un village qui est juste à côté. Et en fait, en 1172, cette donation, elle est confirmée par les seigneurs suzerains Gérard de Vienne et Guillaume, son fils. Donc la cascade, à ce moment-là, prend le nom de Saut de Chaume. Puis après ça change, ça devient Saut Gérard, puis Saut Girard. Donc la particularité de cette cascade, c'est qu'on peut aller en dessous. Et ça, c'est sacrément impressionnant. Voilà, en dessous de la cascade du Saut Girard. Découvrez maintenant la cascade du Saut Girard en photo au fil des saisons. Bien voilà, je viens de vous présenter la cascade du Saut Girard, la première chute des cascades du Hérisson. Cette belle chute de 35 mètres, il faut le détour, que ce soit pour la balade ou pour faire des photos. Allez, je vous dis à bientôt, salut.